Hop là. Merde, j'ai mis de bons plans, ça y est, j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un C'est débile. C'est débile. Oui, non, c'est bien. Non, j'ai mis le bon plan. J'ai mis le bon plan. J'ai mis le bon plan. Donc voilà, je peux retourner dans Arc. Petite intuition d'agenda. Alors, soyez rassurés, hein, je suis avec vous ce week-end. C'est juste qu'il falloir que falloir que je fasse des trucs qui n'étaient pas prévus ce soir. Ce qui va pas m'arranger pour l'épisode commenté. Encore que. Enfin bref. Retournons au jeu. Retournons au jeu. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait. Oui non, j'avais fait la sauvegarde rapide. Donc la quête des écailles de dragon là. Et j'ai retrouvé pas le chemin. Attends, lui il a sa dague à récupérer. Ah! Bah il y a quelques petites piécettes, je vais le dépouiller. L'araignée, la dépouille de l'araignée. Oh, lui, je l'avais pas du tout dépouillé. Il y avait des trucs sur lui. Il y avait une énième lame que je revendrais. L'araignée, non, elle avait rien sur elle, donc logique. D'ailleurs, elle a même pas pas interagir avec cette dépouille. Oh, il a une chemise en côte de maille, dis donc. D'accord. Ah bah ça va me faire du flic. Faire du fric. C'est j'allais dire la sueur, la salive du ver monstrueux, dégueu. Tiens, je me souviens même pas qu'il y avait eu une deuxième araignée que j'avais patatée. Quoi, tu parles, l'épée, elle va rien me rapporter, l'épée, oui. Je serais surpris qu'elle me rapporte du fric, là. Ah, c'est pour aller chez les nains, ça, je crois. C'est pour aller chez les nains. Ça, c'est par où le ver est arrivé, je crois savoir. Là, il y avait une cavité pour une araignée. Attendez, je me souviens pas de lui. Il y a une note.
Cher Mike, je suis désolé, mais ce ne serait pas juste pour les autres joueurs. Je vous donnerai un indice concernant l'énigme 4. Bonne chance quand même, Olivier l'Ermite. Ah, Olivier l'Ermite, c'est le mec qui fait le coffre à Émeraude. Ah, si, il est descendu bien bas. Résistance au poison. Ouais, bah je prends tout ça, quoi. Je prends tout ça. Lui, il a été visiblement dépouillé. Ah non, pas de sa lame. Et encore une lame. Ça, c'est l'antre de l'araignée. J'arrive chez les nains, mais la voie a été condamnée puisqu'il y a eu l'éboulement avec le monstre à la Cewen, pour être poli. Je vais faire face à un cul-de-sac, non? Ah bah non, puisque... Attendez, je disais des âneries, moi, quand je disais que le 8e sous-sol était condamné. Non, j'ai dit des grosses âneries. Non, non, le 8e sous-sol n'est pas du tout condamné. La porte me résiste. Tiens, tiens. Ah, vas-y voir que j'essaie de forcer la porte avec un crochetage. Trop complexe pour moi. Ah ouais, trop complexe à ce point? Trop complexe pour moi. Ah merde. Bah, tant pis, je recharge. Parce que quand on regarde la carte en miniature en haut à droite, on a l'impression qu'il y a c'est un placard en fait. C'est du tout cuit. C'est du tout cuit. C'est du tout cuit. C'est du tout cuit. C'est quoi ça? Ah non, c'est la tuyauterie des nains. Aïe! Oh ma merde! J'arrive même plus à sauter sur le coup. Je sais plus à quoi ça menait le. Parce qu'on était poursuivi par la bête, donc je pense que je me redirige là où il y avait des boules. Enfin, l'éboulement. Mais j'y arrive pas, oh c'est nul. Oh,
j'ai chaud. Non, je pense pas que j'ai spécialement intérêt à aller dans le... Là où j'essaie de m'engouffrer. Mais il faudrait que je relise la carte pour me remémorer à quoi ça correspond. Mais ça a dû être condamné par le... Non. Attends, je sais plus. Non, pas forcément. Oui, non, c'était ça que je voulais faire, mais carte. Carte. Ouais, non, ça mène tout proche. Ouais, non, c'est débile. Ça mène tout proche. Non, pour ce qui est des hommes rats, visiblement, j'ai... Les hommes rats, j'ai tout fait, hein, chez eux. Enfin, chez les nains, déjà, mais... Attends, les hommes rats, il n'y a pas... Ah, j'ai des suspicions de... Ouais, tout n'est pas très clair. Et y a le mystère quand même de la crypte. Il y a le mystère de la crypte. Et j'ai un sentiment de vide. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un truc là où je fais passer mon curseur demain. Parce que là c'est occupé par la encore que. Ouais, là aussi il peut y avoir un truc. C'est pas. Le doute subsiste. Oh, ce jeu. Je vous avouerai qu'intellectuellement parlant, là je suis en train de décliner, donc j'ai plus de solution à ma question. Pour la quête des écailles de dragon, je pense qu'il fallait plus que je garde au fond de ma mémoire l'interrogation. Et que dans les jours à venir, plus tard, vous savez, dans la journée, parfois quand j'ai un moment de... Ah merde, mon perso a faim. Quand j'ai un moment de... Voilà, pour me détendre à part, peut-être que la soluce va me venir. Même parfois, j'ai envie de dire, sous forme de rêve. Au petit matin, je vais me dire, mais c'est bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Mais là, le coup des écailles de dragon... Ouais, je vais rentrer au chapeau. Ouais. Ne me dis pas que la réponse des écailles de dragon, c'est l'ennemi qui l'a. Parce que je suis, certes, souvenez-vous, là j'ai repassé les locaux de la secte des ennemis, mais je suis pas allé dans leur forteresse, là, leur planque. Souvenez-vous, il y avait le champ de force au sous-sol numéro 5 ou 6. Mais c'est là où normalement je suis censé confronter le grand démon, Akbar. Ce serait bizarre que ce soit... Ils ont peut-être une bibliothèque, je sais pas, dans leurs locaux que je connais pas, puis il y a peut-être la réponse à la question du dragon. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je la tente? Je vais peut-être la tenter avant de quitter le jeu. On va dire par acquis de conscience, je fais une sauvegarde rapide là, mais... bah du coup, je vais retourner au téléporteur. Je vais me barrer... sous-sol 4, je crois, non? Oui, je pense que c'était là qu'il y avait la secte. On va voir. C'est là où je vais parvenir, vous voyez, à défoncer les... les... C'est vrai que je les ai pas encore confrontés, hein, les chars d'assaut sur pattes. Oh, d'où ils sortent, eux? Bah alors, quelle surprise!
Ah. Oh, il avait 3% de soins sur lui, le moustique. C'est marrant, je me souviens pas qu'il restait. Ah oui, c'était un membre de la secte. Eh, hey, mais non, mais j'aurais dû retourner à la ville vendre mes armes au forgeron. Mais pour... Oh là là, mais je suis tout à l'envers. Alors que je suis surchargé en lame de Domra, j'ai zappé le fait de pouvoir revendre les... Oh! Ah, il a repris confiance en lui. Bon bah viens mourir. Voilà. Oh, je l'ai tranché en deux. Oh, il a un bouclier en métal. Bah merci, ça me fera de la thune. Bon, les masses en bois, zéro de fric, ça rapporte rien. Ah mais non, mais c'est tellement obstrué d'objets que je peux pas passer. Bah, c'était où le... Ah oui, c'était là. Oui, que j'aille voir les... Faut que j'aille voir le forgeron de la ville pour lui vendre les armes. Ah oui, il faudra que je mette dans son coffre directement. Je pense pas en... Juste quelques piécettes, je vais en récupérer. Je me vois pas faire fortune avec les lames des Emra. Même si j'en ai une demi-douzaine. Ce qui me permettra donc stratégiquement de vider mes poches. Mais Alors, oui, le bouclier, je pense pas que je vais le garder. Ouais. Oh, 66, mon dieu. C'est même moins que ce que j'espérais. Aïe aïe aïe, pauvre de moi. Pauvre de moi. Bon, bah, au moins c'est fait. Tiens, oui, il y a une trappe aussi. Il y a aussi une trappe, le forgeron. Je disais la secte. Des trous. Ah oui, il y avait une porte là aussi, elle était bizarre cette porte. Ah, je sais pas. Je pense que vers la fin du jeu, je pourrais pas m'empêcher de faire une session délire. C'est-à-dire forcer toutes les portes, forcer toutes les serrures au mépris de la loi pour voir ce qu'il y a derrière, évidemment, par pure curiosité. Et tuer tout le monde aussi, faire un carnage épouvantable. Les femmes serpents, les... je pense que je m'offrirai sur ce très bon jeu, qu'on peut dire excellent jeu, une session carnage. Oui, 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 t'as faim. Mange du pain, du vin, du boursin. Voilà, hop, la tarte aux pommes la dernière. Donc la secte des Trougnounouf. La secte des Trougnounouf, je crois qu'elle est par là-bas. Et ben maintenant que je m'aventure dans cette galerie, j'en suis plus si sûr. Non, ça c'était la petite salle de secte où la pauvre gamine au début allait se faire sacrifier. Merde. Où est l'entrée de la secte? Enfin, de la forteresse du mal. On va dire ça comme ça. À force de tourner en rond, je finirai bien par tomber dessus. Oh, je suis en train de me rappeler qu'il y avait des personnages. Ah oui, ça aussi, j'ai pas. J'avais jamais ouvert ça.
Est-ce que ça vaut le coup que j'essaie de forcer la serrure? Ou elle est trop complexe pour moi? Trop complexe pour moi. Merde. Dommage. Dommage. La serrure est trop complexe pour moi. Ah, c'est ballot. Puis je crois que je suis pas prêt de monter de niveau en un petit bout de temps. Oh, la vexation! La vexation. C'est où que je voyais mes points d'expérience? Ah oui, c'est là. Prochain 36 000 ou 37 000. 37 000 et je suis à 13 000, donc je suis pas prêt de monter de niveau. Et merde. C'est limite si mon prochain monter de niveau, ce sera soit tuer le dragon, soit tuer Agba. Bon, bah, crotte. Mais si je tue Agba, en fait, le jeu s'arrête. J'aurai pas de sursis, puisque dans la légende, je suis un être qui a incarné un fidèle. Je vais être appelé sur le plan divin, donc le jeu va s'arrêter pour moi. Si je me souviens du bouquin sur les dieux. Je sais pas, on verra. L'heure est pas encore venue de... Merde, mais c'est un cul-de-sac, ça. Ah oui, merde. Non, je voulais remettre la carte. Ouais, voilà. Ils étaient où, les vilains? Ah, c'était pas un truc par... Eh, c'était pas par là. Un, je dois être proche de la secte. C'est un truc qui part par là. C'est un cul-de-sac, ça? Ah oui, c'est un cul-de-sac. Ah! Le rose du champ de force. C'était là, je crois. Vas-y voir que je m'y aventure. D'ailleurs, tiens, je vais... Oui, non, c'est ça en plus. Je vais faire une sauvegarde... Oui, sang. Du sang va être versé, je crois qu'on peut le dire. Attends, pourquoi j'ai le sentiment d'avoir les pièces mal cartographiées? Vous voyez? Voilà, là c'est déjà plus clair. Tiens, oh, tu parles d'une dague. Ça aussi, c'est pas ça qui va m'apporter de la thune. Alors, sauvegardons. Ah. Bon, je crois qu'on a un combat d'égal à égal, là. Ouais. Les salopards, ils se déplacent vite. D'égal à égal. Alors il faut pas que je me fasse empapaouter par ma souris qui se fait vieille et qui refuse certains clics, enfin qui refuse des clics appuyés. Mais intéressant. Peut-être la touche 02. Ouais, sur mon... Je me suis trompé de touche.
Salopard, il est parvenu à esquiver mon coup. Oh merde! Putain, mais il va me coûter cher lui en potion. Non, non, c'est vraiment de la boule de feu qu'il faut. Oh là là, mais il me coûte trop cher en... Mais il va crever, lui! Mais c'est pas possible, c'est complètement abusé! Effectivement, 3 boules de feu et il n'y a pas d'autre solution pour les trucider, les gars. Encore que non, il y en a un que j'avais confronté en duel dans la secte. J'en avais bavé par un jeu de chargement sauvegarde là parce que je m'acharnais dessus, mais. Alors, je vais faire un truc délirant avant d'arrêter. Je vais essayer de passer en force en me. En me barrant dans leur couloir, mais ça servira à rien. Je vais ameuter toutes les troupes et je vais en avoir 40 sur moi. À moins d'avoir un coup de bol indécent, vous savez, un bug de collision entre 3 mecs qui essayent de passer de fond dans un corridor étroit et ils se bloquent de même, mais j'y crois pas. Ouais, là, il y a une histoire de niveau. Ouais, d'accord. Non, mais ça, c'est le QG des méchants, ça. Le vrai QG. Mais je sais pas, ils ont une bibliothèque, j'aurais peut-être réponse à combien d'écailles un dragon. Ouais. Vas-y voir sur la carte la place que pourrait prendre leur monde. Que je regarde rapidement pour me faire une idée. Ah! Ça peut être aussi grand qu'un sous-sol de la crypte. Oh, encore que j'exagère peut-être, mais... Ouais, non, mais non, mais non, mais non, c'est pas possible. Ah oui, tu m'étonnes, les gars. Oh là là! Oh là là! Oh là, il y a pas mal de choses. C'est un rituel d'application, je sais pas. C'est quoi ça? Oh, le malheureux. Il y a un mec qui a été trucidé. Tant pis. On verra ça une autre fois. Je vais pas m'acharner. Je cogite tout de l'énigme de dragon. Et Alors, il me reste encore entre guillemets 2 heures d'antenne. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais m'octroyer une petite pause pour me rafraîchir. J'en éprouve le besoin. D'ailleurs, il faut que je change ma boisson parce que j'ai fini mon gobelet. Je vous remets du coup les clips là que j'avais improvisé avec l'appel que j'ai eu familial. Je vais peut-être vous mettre les clips 10 bonnes minutes histoire de vous faire patienter. Ça va me laisser le temps de me rafraîchir, voilà, et puis même peut-être me prendre un truc rapidement à croquer, histoire que j'ai pas trop faim. Alors, compilation, je vais déclarer Just Chatting.